suite à l'arrivée de Groudon, les rayons du soleil ont gagné en intensité. Les Pokémon viennent d'entrer en scène et rien ne pourra les arrêter, pas même l'étouffante chaleur qui règne au-dessus de ce cratère. Le camp rouge rappelle soudain son Pokémon. Et voici Flagados. Tout est en place pour le lever de rideau. C'est le camp bleu qui attaque en premier. Une attaque explosive. Le soleil cogne dur dans le Colosseum. Je me demande quelle influence cela aura sur l'issue du combat. Le camp bleu rappelle son Pokémon. Et voici Giratina. Flagados passe à l'attaque. Il le prend en pleine poire, mais l'attaque n'est pas très efficace face à ce type de Pokémon. Nous assistons à une bataille acharnée. Le gant rouge rappelle son Pokémon. Et voici Florizarre. La capacité échoue. La tension est palpable dans le Colosseum. Giratina disparaît en un instant. Le camp bleu évite l'attaque. Ça doit faire mal. Giratina voit son énergie drainée par Vampigraine. Nous assistons à une bataille acharnée. Un coup un peu faible. Son attaque diminue. Giratina voit son énergie drainée par Vampigraine. La tension est palpable dans le Colosseum. Rappelle son Pokémon. Et voici Palkia. Une attaque bien menée. Florizarre récupère de l'énergie. Les dégâts sont considérables.